portrait de 100 responsables militaires sont officiellement commis dans leur mission ce jour par le général Eba Benoît, commandant la 2e région militaire interarmée du littoral. Des aménagements qui surviennent suite au décret portant nomination de ces responsables. Vu la Constitution, vu la loi numéro 80/12 du 14 juillet 1980 portant statut général des militaires, vu les tests subséquents, décrète article 1er, les personnels officiers d'actifs des forces de défense dont les noms suivent, inscrits au tableau d'avancement de grade. Après la lecture du décret, les nouveaux gradés ont été félicités pour les missions qui leur sont définies par le haut responsable. Je suis fier de mes épaulettes parce que c'est l'aboutissement d'un long travail de discipline et c'est la reconnaissance de la hiérarchie. Je suis tellement ému, donc je suis tellement content au point où vraiment je ne sais comment dire. Je n'ai pas que remercier le ciel, mes chefs, tout mon encadrement. Désormais installés dans leurs fonctions, les nouveaux responsables vont devoir contribuer au développement économique et social et à la consolidation de l'état de droit à travers la défense du territoire contre les forces extérieures, le maintien de la paix à l'intérieur du pays, le respect de l'ordre public et la sécurité des personnes.